Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il est à peine 7h, le soleil se lève dans 1h et ce matin je vous emmène au petit parc où je balade mon chien, chez moi à Metz. J'avais déjà fait un précédent vlog sur cet endroit et à chaque fois que j'y retourne, à chaque fois que je retourne me balader, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de photos très intimistes, des photos plutôt minimalistes étant donné que l'endroit, comme je disais la dernière fois pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un endroit qui est quand même très très marqué par l'homme. Il y a beaucoup d'infrastructures et du coup ça rend la chose globalement au global pas très naturelle. Et par quelques endroits on a des petits coins de nature, des petits joyaux, des petits coins qu'on pourrait croire entièrement en Camargue ou à d'autres endroits que j'aime beaucoup et que je vais essayer de photographier encore une fois ce matin. Alors la dernière fois que je suis venu, c'est il y a seulement 2 jours et en ce moment il fait très froid, on est fin janvier. Par chance, on a une partie des étangs, donc on a un lac et on a des petits étangs sur les côtés. Et ces étangs, ils étaient gelés la dernière fois que je suis venu. Donc je pense qu'on peut avoir des textures très intéressantes, des reflets assez sympas à photographier au lever de soleil ou au coucher. Mais je préférais faire le lever ici parce qu'au moins je suis vraiment tranquille, il n'y a personne. Et aussi parce que j'avais une idée de photo au lever de soleil, qui n'est pas du tout par rapport aux étangs, mais qui est une photo que j'ai remarquée il y a quelques temps et que je voulais mettre en œuvre aujourd'hui. Cette photo, ça va être une photo plutôt, je pense, au téléobjectif. Elle est seulement à 15 mètres de moi. C'est l'avantage d'être dans un endroit très anthropisé, on va dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rando à faire. Et cette photo, qu'est-ce que c'est ? C'est un tamaris. Les tamaris, c'est des arbres qui sont très fréquents autour des milieux salés. Et actuellement, là, les tamaris ont perdu leurs feuilles, donc on voit vraiment leur structure. Et on a un tamaris, donc à 10 mètres de moi, qui est sur une petite butte et qui a une forme vraiment très jolie, une très belle structure. On en perd un petit peu l'échelle, même si en réalité, il doit faire 2 mètres de haut. On pourrait croire un énorme arbre. Et pourquoi je voulais le photographier au lever de soleil? Tout simplement parce que d'où je veux le prendre en photo pour avoir cette belle silhouette et qu'il soit bien isolé dans le ciel, bah on a le lever de soleil qui se passe derrière. Bon allez, c'est bien beau de croire en cette photo, mais il faudrait que je la réalise. Je viens de prendre la photo, je suis très très content parce que finalement j'ai eu plus que ce que je m'attendais. Donc déjà on a vraiment de très très belles couleurs, on a du orange au bleu profond dans le ciel, donc c'est vraiment très très joli. On a petit à petit le dégradé qui change, donc je vais continuer quand même à prendre la photo au fur et à mesure que les lumières changent. Finalement je suis parti sur le grand angle. Je parlais tout à l'heure du fait de photographier avec un téléobjectif. Je ne m'étais pas réellement rendu compte de la distance qu'il y avait réellement entre mon arbre et moi. Et aussi je n'avais pas vu, et là ce qui est trop bien c'est que j'arrive à le composer, c'est qu'on a des arbres, une très belle silhouette de 3 arbres qui sont juste derrière. Enfin, on dirait qu'il y a 3 arbres principaux que j'ai réussi à composer.
qui sont sous une branche arquée de mon sujet principal qui est le tamari juste derrière. Donc je suis très content parce que ça apporte un peu plus de dimension à ma photo avec justement ces arbres un peu plus loin. Et aussi ça vient combler un petit peu cet espace qui pourrait peut-être paraître un petit peu plus vide. Sinon d'un point de vue technique, donc je me suis mis là à 24 mm, je suis quand même un peu zoomé, en essayant de placer mon arbre vraiment bien dans la photo avec un tout petit peu d'espace autour pour le laisser un petit peu respirer mon sujet. Et bien sûr, là ça demandait que ça, format carré parce que on a vraiment rien dans le ciel à part de jolies couleurs et cet arbre qui est très bien encadré dans un format carré. Donc pour moi là c'est parfait. Je pense même essayer de trouver peut-être d'autres photos à faire avant que le soleil se lève. Si sur l'exposition, donc j'ai exposé pour les hautes lumières, donc en gros j'ai vraiment laissé mes ombres, même s'il y a des ombres bouchées dans ma photo, je m'en fiche parce que je veux vraiment pas en fait avoir mes ombres éclairées. Pour vous dire, le devant c'est vraiment de l'herbe tondue, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce qu'on la voit. Et le tronc en soi, c'est vraiment moi sur cet arbre, c'est vraiment la silhouette qui m'attire et j'ai pas envie d'apporter plus de détails. En photo, plus on met de détails, plus il y a de choses à bien aligner, on va dire, dans la photo. Et moins on met de choses, plus c'est simple à composer. Donc là, c'est vraiment une photo très très simple. Deuxième plan de ce matin ne se passe pas comme prévu. Je voulais essayer de photographier les petits étangs autour du lac qui étaient gelés il y a quelques jours seulement et qui formaient des textures très intéressantes, des reflets sympas. Sauf que la température est un petit peu montée et en plus de ça, on a pas mal de vent ce matin, donc vraiment je pense aucune chance que la glace se reforme sur les petits lacs. Et donc j'ai plus d'idées photos à prendre. Je sais juste que ce qui me marque et ce que j'aime bien dans cet endroit-là, c'est plutôt tout ce qui est roselière, roseau, canne, tout ça qu'on a un petit peu partout et qui par certaines lumières sont vraiment magnifiques. Et si on zoome dedans, on peut avoir des choses je pense qui sont sympas. Donc je vais essayer de me focaliser là-dessus. Je vais essayer de tourner ce foirage en quelque chose de nouveau, une expérimentation. J'étais venu pour quelque chose, je ne l'ai pas, mais au lieu de m'arrêter là, je vais essayer de m'adapter aux conditions et de trouver autre chose. Donc c'est dans ces moments-là justement qu'on peut s'améliorer en photographie, améliorer son œil, améliorer sa technique. Parce que quoi de mieux que s'adapter aux conditions pour s'améliorer. Il s'est avéré que c'était assez compliqué de trouver une composition parce que j'étais un petit peu dans le rush et je savais pas trop quoi chercher. Là je pense avoir trouvé quelque chose qui est intéressant. Je dis intéressant parce que je ne sais pas du tout si elle fonctionne, si elle est sympa. Je pense que ce sera très subjectif. De toute manière, là le soleil vient de passer l'horizon juste derrière moi et va bientôt commencer à éclairer les roseaux que je cherche à photographier. Alors la composition dont je parle en fait, c'est je suis venu le long de toute cette roselière qu'on a ici. Pour essayer de trouver une partie des roseaux qui était peut-être plus intéressante à photographier avec un peu plus de caractère, sachant que je voulais vraiment faire quelque chose au téléobjectif, vraiment en me focalisant sur les roseaux. Donc il fallait quand même que je trouve pas simplement des roseaux mais que je trouve une particularité, je trouve, pour donner un petit peu plus d'intérêt à la composition. Et cet intérêt je l'ai trouvé grâce au dénivelé. En fait on a toute cette partie là de roselière qui est assez grande et qui est parsemée de petites buttes. Donc en fait on a les roseaux qui ne sont pas tous à la même hauteur et sur un endroit en particulier en fait on a les roseaux qui montent d'un coup, donc on a quand même un gros gap entre
un mètre, à peine un mètre de roseau, ce qui permet d'avoir différentes parties du roseau dans la photo. On a ceux qui sont sur la butte, qui sont cadrés de manière à ne pas avoir leur touffe qui est juste au-dessus, je sais pas comment on appelle ça. Donc on a vraiment que la canne, que on va dire le tronc. J'ai vraiment pas les termes sur les roseaux, hein, désolé. Et juste en dessous, justement, on a l'inverse. On n'a pas beaucoup leur tige et on a plutôt les plumeaux. Je crois que c'est les plumeaux qui sont dessus. Donc on a un beau contraste entre les plumeaux et les tiges qui sont derrière. Les tiges en plus qui sont un petit peu plus foncées que les plumeaux. Donc je pense qu'on peut avoir quelque chose d'assez intéressant, très texturé, très minimaliste. Pour l'instant, je prends la photo en format 3.2. Je sais pas du tout quel format peut convenir. Je me demande si le 16.9 pourrait pas être pas mal, justement parce qu'on a vraiment quelque chose assez en longueur. Bref, je prends la photo parce que là il y a en plus les plumeaux qui prennent de la lumière. Alors je suis très très content parce que c'était pas du tout des lumières que j'attendais. Je n'avais pas vraiment réfléchi au fait qu'elles puissent être éclairées de cette manière. Et finalement je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux parce que ça les fait vraiment ressortir les plumeaux. Avec un fond qui est assez bleuté, assez froid et des lumières très, très orangées, très dorées sur les plumeaux. Donc c'est vraiment très joli. En plus vu qu'on a le soleil qui se lève vraiment derrière, on a un halo qui se forme un petit peu au-dessus, un halo... très chaleureux, donc je suis très content parce qu'on a des conditions très intéressantes pour cette photo. Je peux pas être sûr qu'elle fonctionne réellement, mais je suis assez content de la petite trouvaille de dernière minute et des conditions que j'ai pu avoir, comme quoi des fois les planètes s'alignent un petit peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire des deux photos que j'ai prises ce matin. D'un point de vue technique, là je voulais avoir mes roseaux très nets. Idéalement j'ai attendu qu'il y ait moins de vent, mais ça se calmait pas forcément tout le temps. Et donc j'ai pas hésité à monter un petit peu mes ISO. Tant pis, j'étais à ISO 640 je crois, pour avoir un temps d'expo beaucoup plus court et avoir pouvoir figer vraiment le mouvement. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et d'ici la prochaine, moi je vous dis ciao. Thank you.